eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia. Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Frapper une monnaie n'est pas difficile. Nous avons emprunté un point de non-retour. Cette parole est de qui? Imaginez, elle est du premier ministre du Mali, le docteur Choguel Kokala Maïga. Le docteur a parlé. Nous avons emprunté une voie de non-retour. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que les pays de l'AES, là, les trois États, là, sont obligés de créer leur monnaie. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont dans l'obligation d'avoir une monnaie unique. On ne peut pas parler de monnaie commune parce que il y a une différence entre monnaie commune et monnaie unique. La monnaie commune, c'est que c'est une monnaie que tout le monde utilise, mais chacun a sa monnaie souveraine de son pays. La monnaie unique, c'est qu'il n'y a pas d'autre monnaie, il n'y a que cette monnaie que tous les trois pays vont utiliser. Donc la monnaie unique du Sahel est une obligation. Parce que c'est une voie de non-retour. S'ils s'arrêtent, s'ils avancent, on avance avec eux. S'ils s'arrêtent, on s'arrête, on les observe. Comme maintenant, on est en train de les observer. S'ils reculent, on les abat. Vous voyez ce que le Premier ministre vient de nous dire. Ça, c'est le dernier scoop du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Là, il est venu fermer le bec de tout le monde. Maintenant, on attend. On va continuer à attendre. On va prendre notre mal en patience. Mais le Premier ministre nous a donné aussi quelques éléments qui nous permettent d'avoir la force et l'énergie de continuer à attendre. C'est que le Premier ministre dit dans ce même discours, dans cette interview, que vous savez, le Mali avait déjà une monnaie, et nous le savons tous, avec le président Modibo Keïta. Et c'est à cause de cette monnaie-là que le président Modibo Keïta avait créé, qu'il a été victime d'un coup d'État. On l'a pris, on l'a mis en prison, et il a été empoisonné dans la prison. Et il est mort dans cette prison à cause de la monnaie. Parce qu'il était sorti du CFA. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris le Mali, ils l'ont remis dans le CFA jusqu'à aujourd'hui. Donc le Premier ministre nous dit, vous savez, on avait déjà la monnaie. Mais il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Pourquoi on a échoué? Pourquoi le Mali qui était sorti est revenu? Et comment, quand on découvre le pourquoi, on doit maintenant mettre en place le comment il faut faire pour éviter de tomber dans le même piège. Ce qui est tout à fait raisonnable. Là, je salue encore une fois de plus le Premier ministre Choguel Kokala Maïga de nous donner ces informations. Et le plus important encore, ce qu'il a dit, c'est que le Premier ministre nous explique que, écoutez, il y a des experts qui travaillent. C'est une question stratégique. Donc, il y a des experts qui travaillent sur ça, sur cette question. Des experts des finances et autres qui travaillent sur cette question. Et il y a des gens qui sont payés. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, là,
et ils ont un salaire chaque mois. Ces gens peuvent être des Burkinabés, des Nigériens, des Maliens. Tous, ils travaillent ensemble. Ils sont payés pour ça, rien que pour réfléchir là-dessus. Comment faire pour avoir la monnaie unique et pour éviter que les mêmes qui attendent, les mêmes qui tremblent actuellement, vous voyez comment la BCAO ne cesse de lancer des appâts au Burkina Faso et dernièrement aussi au Mali. Parce qu'ils veulent saboter cette avancée. Donc, ces experts ont une mission qui n'est pas aussi facile que ça. Ben oui. Comme l'a dit le professeur Agbou, le premier ministre Choguel est d'accord que c'est quelque chose de facile. Maintenant, c'est un problème de stratégie. Parce que les autres n'attendent qu'une opportunité pour casser tout ça là. Donc il faut prévoir les conditions pour éviter que ça puisse échouer. Parce que si ça échoue, on repart non pas à zéro, mais à moins l'infini. Vous savez, vous voyez quand les gens font souvent, comment on appelle ça, le diet, hein? Ils veulent perdre du poids. Vous voyez que la personne peut arriver à perdre quelques kilos. Mais lorsque il arrête et il reprend encore à manger comme il mangeait, ne pas faire le sport, ainsi de suite, il reprend plus de kilos qu'il avait avant. Dans le cas actuel, on risque d'avoir plus de problèmes qu'on en avait avant. Donc, il faut qu'on aille pour réussir. Et il faut savoir que tous les pays africains sont en train, les jeunesses africaines sont en train d'attendre ça. Cette monnaie-là. Tous les peuples africains actuellement sont en train d'attendre cette monnaie du Sahel. La majorité des dirigeants africains actuellement sont en train de souhaiter l'échec, sont en train de travailler avec l'Occident pour casser cette monnaie. Vous voyez que les États-Unis et l'OTAN sont en train de vouloir occuper le golfe de Guinée. C'est pourquoi? C'est pour arrêter tout ça. La monnaie. Parce que le dollar prendra un coup, l'euro prendra un coup, le CFA va disparaître. Donc le premier ministre Choguel nous fait savoir que ce n'est pas un jeu, que le message africain, de la jeunesse africaine est compris. C'est ça qui est très important que vous devez savoir dans ce message du premier ministre. C'est que le message de la jeunesse africaine n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Les présidents et les gouvernements du Sahel ont bien compris le message et ils sont en train de travailler là-dessus pour nous rassurer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici là, vous allez être surpris d'apprendre que, bon, on lance la monnaie en telle date, qu'il y a déjà une monnaie africaine qui est là, qui existe. La première monnaie des États de l'Afrique. De tous les pays africains. Parce que cette monnaie-là, c'est celle-là qui va gouverner. C'est la monnaie que Kadhafi devrait créer, qui est en train d'être créée là au Sahel. Oui, vous allez me dire, il n'y a que 3 États. Non, les États-Unis ont commencé par 13. Aujourd'hui, ils sont 50. Les États-Unis ont commencé par 13 États. Aujourd'hui, ils sont 50. Prenez un pays comme la Californie. Si elle n'est pas dans les États-Unis, économiquement parlant, elle peut être parmi les 10 premières puissances du monde, économiques du monde. Mais sur le plan sécuritaire, elle a besoin des États-Unis, des autres. C'est pour ça qu'il continue à rester là. Vous prenez le Texas qui appartenait au Mexique, aujourd'hui appartient aux États-Unis, et qui demande même son indépendance. Mais, comme ils sont dans une union, ce n'est pas évident. Ce n'est même pas possible pour l'instant. Donc, voyez. Le Premier ministre nous a rassurés, encore une fois de plus. C'est vrai que moi, j'aimerais bien que ça se fasse le lendemain, comme beaucoup parmi vous d'ailleurs. Et je serais bien heureux de savoir que c'est bon, c'est crié, parce que c'est une étape décisive pour la libération du continent africain tout entier. C'est une étape essentielle même. Vous voyez, la réussite des États du Sahel, c'est la réussite du continent africain. C'est le début de la libération total du continent africain. Dieu a choisi ces 3 pays-là. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas par hasard. C'est pour ça que vous voyez même que tout ce que l'on fait contre eux, ça vient échouer
au bord du continent, au bord de l'espace du Sahel. Même ceux qui étaient les plus les grands adversaires du Niger aujourd'hui sont en train de changer de face. Bola Tinubu aujourd'hui est en train de combattre lui aussi le terrorisme, aider ces pays du Sahel avec, comme je venais de le dire dans une de mes vidéos, que 150 drones ont été saisis à la douane de Lagos, et ça, la destination c'était bien entendu le Sahel. Mais s'il a pu le faire, c'est parce que justement il comprend que l'avenir de l'Afrique est en train de se jouer là, y compris celle du Nigeria. Alors, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les noirs du monde entier.